Bonjour, je m'appelle Thibaut Morel, j'ai 28 ans et j'ai suivi la formation du wagon. Avant la formation, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai travaillé pendant 2 ans dans la banque sur de la maîtrise d'ouvrage, donc sur du suivi de projet informatique. Et je suis parti pendant 1 an vivre en Nouvelle-Zélande ensuite. Le développement, j'avais commencé en école d'ingénieur et j'y réfléchissais, je savais pas si je voulais en faire mon métier ou pas. Et c'est en rentrant en France en fait que j'ai eu l'opportunité et je me suis dit bah c'est parti. La formation du wagon, en fait, je me suis renseigné du coup sur les formations pour apprendre à développer. Et j'ai un ami qui a fait le wagon qui m'a dit que c'était vraiment bien, tous les avis étaient positifs, donc je me suis lancé pour le wagon. Donc pendant la formation du wagon, on apprend à développer des applications web. Donc c'est assez intensif, c'est très riche. Et on finit par développer des projets proposés par les élèves par groupe de 4 qu'on présente le dernier jour. Donc après le wagon, je suis devenu assistant en fait pour aider les élèves qui suivaient à leur tour la formation. Et j'en ai profité pour participer au concours du meilleur développeur de France dans le cadre de la Grande École du Numérique. Et c'est là que j'ai gagné du coup le prix Genius organisé par la Grande École du Numérique. Donc maintenant, je travaille toujours avec le wagon, je donne des cours pour les élèves qui suivent actuellement la formation. Et en parallèle de ça, je fais également des missions en freelance. Ce que je conseillerais aux élèves qui apprennent le développement, c'est de déjà rester bien, bien informés parce que c'est vrai que la technologie bouge très vite, de pratiquer aussi parce que c'est essentiel et de rencontrer d'autres devs pour voir les bonnes pratiques et voir comment font les autres. Et notamment par l'intermédiaire d'événements comme des salons ou des concours, justement, c'est une bonne opportunité.